Bien, Jimmy, mon ami. Bon. Alors, du coup, je rebaisse un petit peu le micro. Alors, Jimmy. Sacré Jimmy. Approche-toi un petit peu qu'on t'entende bien. Tu me fais un essai de micro. Tu me fais Paris-Le Mans-Toulouse. Dis-moi ça. Vas-y, dis Paris-Le Mans-Toulouse. Paris-Le Mans-Toulouse. Voilà, tu viens d'où? Je peux enlever le micro. Mais si. Ah, tu veux le tenir à la main? Oui. Eh ben, avec plaisir. Tiens, tu demandes. Hop, tu veux que j'arrive ça? Pourquoi tu veux tenir le micro à la main, Jimmy? C'est plus rock'n'roll, il a raison. Parce que j'aime bien tenir le micro à la main. Mais tu tiens, c'est une bonne raison. Et tu tiens souvent le micro à la main? Non. Bah non, parce que t'as pas de micro chez toi. Non, si j'en ai un. Ah, t'as un micro chez toi? Oui. Et alors qu'est-ce que tu fais avec ton micro? Mais il marche pas en fait. Ah, c'est quoi? C'est un faux micro? C'est drôle. Oui. Mais en tous les cas, je vois qu'à chaque fois tu l'approches bien, c'est très professionnel, ça me plaît bien ça, Jimmy. Alors tu m'as pas dit d'où tu venais, Jimmy? Paris. De Paris, quel arrondissement? 12e. Paris, le 12e, c'est un bel arrondissement ça, le 12e. Hein. Oui. Et comment elle s'appelle ton école? École rue Saint-Maur. Qu'est-ce que tu fais sinon à l'école et quand tu te balades rue Saint-Maur? Des maths. Ouais. On a déjà fait une sortie au bois de Vincennes. On vous a emmené au bois de Vincennes. Qu'est-ce que tu as vu au bois de Vincennes? Ben, j'ai vu... Le château? Il y a un beau château. Oui. Tu l'as visité, le château de Vincennes? Non. Non? Vous l'avez vu comme ça, de loin? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? J'ai vu des écureuils. Au bois de Vincennes, il y a encore des écureuils? Oui. Oh, c'est génial, ça, dis donc. J'ai vu des lapins aussi. Des lapins? Oui. Et on t'envoie des trucs au bois de Vincennes, tu vois. Bon, attends. Tu veux te voir dans le grand écran qui est là, ça te ferait plaisir? Oui. Eh ben regarde, tiens, c'est toi là, Jimmy. Je m'appelle Jimmy, je suis contente d'aller à l'école des femmes. Avec qui est-ce que tu vas chanter? Avec Didier Barbelivien. J'aime bien Didier Barbelivien, j'adore le rencontrer. Et ce que je sais, c'est qu'il est déjà allé dans mon école. Je dis des mots d'anglais, je chante en anglais, des petites chansons. Au revoir. Allez donc. Mais dis-moi, Jimmy, t'aurais pas changé de coiffure entre le jour de la rentrée des classes et l'école des fans, là? Si. Hein? C'est pour l'école des fans que t'as fait la coiffure comme ça? C'est l'école des fans qui m'a peigné comme ça. Mais qu'est-ce qu'il aura pris à l'école des... Et il a une dégaine, c'est terrible. J'adore. Il est extra, ouais. J'adore, Jimmy. Bon, alors, tu m'as pas dit ce que tu allais chanter? À toutes les filles que j'aimais avant. Ah, quelle merveille. Ah. Dis donc, t'en as aimé beaucoup, des filles, avant? Oui. C'est vrai? Combien t'en as de... À peu près combien? De fiancées? Une, c'est bien, bah, faut commencer par une. Donc, tu te souviens de son nom? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Nona. Nona? Oui. Non, tu sais pourquoi je te dis, je te fais répéter, parce que nona en italien, ça veut dire grand-mère. Bah oui. Oh là là. La nona en italien, c'est la grand-mère. Mais là, c'est pas ta grand-mère. Non. Non, c'est une petite fille qui a ton âge. Oui. Elle est là, non? Elle est là? Non. Bah alors tu vas chanter pour elle? Non. Non? Alors tu vas chanter pour qui? Pour moi tout seul. D'accord. T'as raison. Mais tu, je voulais juste avant de commencer à chanter, puisque peut-être que Nona, si vraiment c'est ta petite amie, elle est en train de te regarder, tu vois, sur cette caméra-là. T'as pas envie de lui faire passer un message, lui dire, tu vois cette caméra-là? Tu vois, il y a le rouge. Tu le vois, le rouge? Eh bien, juste derrière, il y a Nona. Mais non! Mais si, je te promets. J'y crois pas. Eh ben, tu verras. Alors, écoute, tu vas nous téléphoner quand tu vas retourner à chez Allô toi. À Paris 11e, tu nous passeras un petit coup de téléphone et tu verras que Nona, elle aura vu tout ce que tu as fait. Tu verras, tu me le diras. Comment ça se fait? Eh ben, je te prends, parce que ça s'appelle la télévision. La télévision, oui, je sais, ça voit pas ça, la télévision. Exactement. Bon, Jimmy, je te laisse chanter? Oui. À toutes les filles qu'on a aimées avant? Oui. Chanson de Didier Barbelivien, mesdames, messieurs, oui. Dont c'est l'école des fans. Toutes les filles que j'aimais avant, qui sont devenues femmes maintenant, alors volcan de larmes, alors torrent de charme, je suis restée adolescent. À toutes les filles que j'aimais avant, des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées,
leur baiser volé, je suis restée adolescent. Elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Super, Jimmy. Très bien. Ça t'a plu ? Oui. Moi, je trouve que t'as été formidable. T'as été vraiment Merci. Bien. Et là, tu vas voir, tu auras, dès que tu vas rentrer chez toi, tu auras les compliments de Nona. Ça, je suis sûr et certain. Je suis sûr. C'est pas vrai, je te dis. Tiens. Tac. Tu lui fais un bisou de ma part en plus. Mais c'est pas vrai. Tu lui fais un bisou de ma part. C'est pas vrai. Je compte sur toi, Jimmy. C'est pas vrai. Allez, viens, je t'emmène. Allez, tu me rends mon micro ? Merci Jimmy, bravo. Ah, 10. Le maître, ami 10. Alani, ami 10. Jade, tu peux mettre une note si tu veux. Très bien chanté. Voilà.